Bon, on se retrouve avec cette qualité qui est pas ouf, mais tout simplement j'ai oublié de faire une intro, du coup on se retrouve maintenant avec la qualité de l'ordinateur. Du coup, bienvenue dans ce nouveau vlog, c'est l'épisode 2 de mes vlogs d'octobre. Je vous en ai fait un la semaine dernière, c'était ma première semaine d'octobre, et celui-ci est ma deuxième semaine d'octobre, voilà. J'espère que ça va vous plaire, il n'y aura que deux vlogs d'octobre, donc celui que j'ai posté la semaine dernière et celui de cette semaine, c'est tout. Et le prochain vlog la semaine prochaine, ça va être un vlog trop trop cool, donc abonnez-vous si vous voulez voir ça. Likez, likez, et puis moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Let's go! Bon, on est actuellement lundi 18 octobre, il est 17h, je suis rentrée il y a 10 minutes des cours. J'ai fait du 8h, 16h30 aujourd'hui, voilà. Bon, après il y avait sport à 13h30, donc ça pouvait aller. Là j'essaye de mettre la paille dans le Capri-Sun. C'est la dernière semaine avant les vacances, après je suis en vacances. Et en fin de semaine, j'ai un petit truc de prévu, très cool. Je suis assise, j'ai mon goûter. Hop, petit Capri Sun. Et donc, je vais prendre mon goûter en même temps travailler. Et voilà mon petit repas du mercredi midi. C'était juste trop bon. C'était des petits wraps au saumon avec salade et tout. Miam miam. Une petite bouchée. Et oui, Manon, c'est trop bon. J'avais oublié que j'avais ce maquillage horrible. Bon, vous inquiétez pas, j'ai pas pleuré ni quoi que ce soit. C'est juste en gros, je me suis fait un maquillage horrible. Trop moche, j'ai essayé de me faire un truc horrible, j'ai fait exprès bien évidemment, et là j'ai essayé de m'enlever vite fait avec un machette et tout et de l'eau, et sauf que là j'ai la flemme de continuer parce que je dois travailler, du coup bah, je vais enlever quand je partirai au théâtre, j'enlèverai avant de partir. Bref, du coup là il est déjà à 15h et bah, du coup ça fait 2h que je suis en train de travailler dessus. Bon, en vrai non, ça fait pas. Du coup voilà, là je continue d'apprendre et ensuite je continue mon dossier. Et voilà, il y a écrit dossier moi comme ça. C'est vraiment pas du tout fini en gros. Donc voilà, pourtant hier matin je me suis réveillée à 6h pour pouvoir continuer mon dossier moi pendant 30 minutes. Ce matin je me suis réveillée à 6h30 alors que je commence à 9h. De base je devais me réveiller à 7h30, c'est mon heure habituelle quand je commence à 9h. Je me suis réveillée à 6h30 pour continuer mon dossier moi, je l'ai fait pendant 1h. Du coup bah aujourd'hui je vais essayer de finir, et si je finis pas à temps, je pense pas que j'aurai fini à temps, bah demain matin je me lèverai à 5h30 pour continuer mon dossier moi pendant 1 heure. Ça dépend comment je continue. Il est 16h12, je vais essayer de finir de copier au propre vite fait mon activité 15, mais 15, 5 du dossier moi. Bref, normalement la géographie je la connais, je vais juste l'emmener comme ça dans la voiture, je vais noter 2-3 trucs, des petites notes quoi. Et j'ai commencé à apprendre mes définitions. Bon bref, je vais pas vous dire tous mes devoirs que j'ai fait. Là je vais devoir partir au théâtre dans, je pense, même pas 10 minutes. Let's go, je vous laisse et puis je vais au théâtre, moi. I'm back. Je suis rentrée, j'ai fait l'anglais euro, j'ai fait l'anglais, j'ai fait la physique. Et j'ai noté 2-3 trucs sur ma fiche en géographie. Bref, là je voulais faire de la SVT mais au final je comprends rien, du coup je ferai plus tard. Enfin plus tard, MDR, il est déjà 19h. 15. Dossier moi je l'ai absolument pas du tout fini. Je pense faire mes définitions d'histoire, de géographie. On a combien de définitions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 définitions. J'en connais vite fait, parce que j'ai eu le temps vite fait de les apprendre avant le théâtre. Bref. Yes, il est 21h, je suis toujours en train de faire mon dossier moi. Je l'aurais pas fini ce soir, enfin voilà quoi, là j'ai fini de faire 2-3 trucs. Je pense que je vais faire encore ça pendant 20 minutes. Et après il faut que je fasse rien d'autre. Il faut que je déconnecte mon cerveau des devoirs parce que là j'en peux plus. Et il faut que j'aille manger. Il faut que je dessine un nounours. C'est parti pour dessiner un nounours, j'espère que je vais y arriver.
Il est horrible. C'est une catastrophe. Ok, 21h20, je vais manger. J'en peux plus. Et donc voilà mon petit repas du mercredi soir. Cette fois-ci, c'était une petite quiche, une sorte de quiche au saumon avec du poulet. Donc il est actuellement quelle heure? Il est 7h08 du matin, ça se voit je pense à ma tête. Et du coup aujourd'hui je fais du 8h-16h30 MDR. Toute la semaine j'ai fait du 8h-16h30. Aujourd'hui je suis censée finir à 15h30, sauf que ma prof elle m'a mis ma prof d'art plastique, elle a mis un cours de décembre où elle n'est pas là. Elle l'a mis aujourd'hui à 15h30. Du coup, on finit à 16h30 au lieu de 15h30. Du coup, je suis dégoûtée parce que. Voilà quoi. Mais bon, c'est pas grave. Demain, je finirai à 15h30. Je me suis levée ce matin à 5h45. Je me suis dit, j'aurais jamais le temps et tout finir. Blablabla. 7h10, dans 30 minutes, je pars de chez moi. J'ai le temps. J'ai hâte d'être demain. Parce que demain, je vais voir mes copines. Je suis trop contente. Ce soir, j'ai rendez-vous chez l'orthodontiste. Je vais faire une transition. Bon, il n'y a pas dû y avoir un grand changement. Bisous, je vais aller. Enfin, je vais vous laisser du coup. Parce que je vais y aller dans 10 minutes. Aujourd'hui, là, il est 18h25. Du coup, je viens de rentrer de l'orthodontiste. Demain, j'ai un énorme contrôle de tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année en maths. Du coup, il faut que je revoie tout ça. Hop, je vais me poser. Donc voilà, là on se retrouve vendredi 22 octobre, il est 7h du matin, je fais ma skincare, là je vais prendre mes petites affaires pour la journée, donc mon petit jean baggy, je l'adore avec ce petit pull et la petite transition, je suis en pyjama et hop là je suis habillée, incroyable, un tour de magie. Donc là du coup encore une transition, j'adore les transitions comme ça, lol, avec mon petit bob, il est trop trop bien ce petit bob. Allez hop, et donc du coup je vous ai pas vlogué le reste de la journée, mais on se retrouve le lendemain. Ça fait je sais pas combien de temps que je vous ai pas pris. Du coup aujourd'hui comme vous l'avez vu on est samedi. Donc vendredi midi j'ai mangé avec mes copines un restaurant. Enfin c'est genre un restaurant. Du coup on a mangé hamburger, frites et pain perdu au Nutella. C'était trop bon. Après on est allé, du coup on est retourné parce qu'on avait encore 1 heure de cours. Après les cours on est rentré chez nous pour préparer notre sac pour aller dormir chez ma pote. Et à genre 16h15 on est parti. Chez elle. Le soir, on a mangé raclette et fondue au chocolat, c'était mais trop bon. Midi, on a mangé pâte carbonara. Je suis rentrée chez moi du coup à 16h. Et après, je suis allée de mon père à faire plein de trucs, donc voilà. Et je suis rentrée il y a. Là, il est quelle heure? Ah, mais oui, mon Alexa, elle est éteinte. Il est 22h33, donc je suis rentrée il y a 30 minutes. J'ai mangé. La chose vraiment pas prévue. Je suis en train de préparer mes affaires. Demain, je pars en vacances. Donc, parce que du coup, c'est les vacances. Hein. Voilà, on a fini les cours, on a deux semaines de vacances. Mais moi, je n'étais pas prête. Moi, mes parents m'avaient dit que je partais, ok, mais que le jeudi de la deuxième semaine. Et en fait, non, je pars demain. Du coup, voilà. Par contre, quand je suis revenue de chez ma pote à 16h, j'ai eu le temps de préparer mes affaires pour ma valise et tout. Donc ma valise elle est faite, faut juste que je mette mes bobs, ma casquette et une autre paire de chaussures en plus de celle avec laquelle je vais partir demain matin. Et là, du coup je vais préparer mon sac à dos. Bisous!